wana pardon patata pardon ba papa wana bolingi ko diviser di mouvement na biso toka bwana toka bwana wana ezali musala ma satana malamu de tozala mutu moko biso tolingi nde toka bwana te tozala un uningana ningana eza mpenza malamu te et surtout momoni ke lingomba ndenge tozali ndenge batikela biso ba papa batikela totikala susu bongo te mpo na nini mate ya mabe eleki mingi bandeko bakei me biso mpe totikali bato mosusu bazilingi bakabola biso wana mpe eyebani kasi soki tosali bongo ezali mabe likambo wana nde tolobi okabola biso te batata bazalaki ya kokangana biso mpe totikala ya kokangana atango ezali koya c'est-à-dire motu na motu ameka nani komibongisa ndenge balobaka na kikongo kinkenya mpadila motu na motu wa mibundila mpona koyeba le après il faut koyeba le avant donc biso tozosala lelo on se base sur le passé mais quand on parle de changement c'est que instrument de mesure moko ezali pour na toyeba changement eza bo ete donc instrument de mesure wana paye biso na bino tokoloba tozali kobundela instrument de mesure qui a changé biso bakimbongiste instrument de mesure na tozali banani biso bakimbongiste instrument de mesure na biso ezali ba papa. Donc il y a eu avant les papas et puis après les papas. Parce que vous aurez beau me parler de papa Simon Kimbang. Vous aurez beau me parler de papa Simon Kimbang et m'expliquer qui est papa Simon Kimbang. Maintenant tout nagibino, est-ce que nani na vivant à papa Simon Kimbang? Est-ce que Moutazali? Donc ce qu'on a pu apprendre de papa Simon Kimbango, ils allaient papa m'a balaki si biswango. Bango m'a balaki si biswango, balobi hein. Papa Simon Kimbango va n'arrolier à boy, va n'arrotambo la boy, va n'arrosala boy. Balobi na biso likambo ya bonzo topé à molimo ya papa Simon Kimbango. Tout ce qu'on a appris. N'arrolo bagagerie encore plus loin. Natango ba papa baso le balikambo ya tata na bango. Ils allaient qui période moko très très difficile que les gens pour parler de papa Simon Kimbang, on devait se cacher. Donc, ezala ki likambo soni. Kozala kimbongiste, ezala ki likambo soni na tango ya kala. Donc, na tango wana ezala ki likambo kuwela te. Biso nyonso, tomandaki koyoka nango soni. Quand les papas ont commencé à bâtir cette église, je pense que quand vous regardez dans l'histoire, bazo finga bango, bazo seka bango makasi vraiment. Parce que c'était honteux. Parce que papa Simon Kimbangu, Mindele, Ndengi ba représenta qui est, c'était un prisonnier, un malheureux, un illuminé. Donc tout ce que vous voulez Yamabe, c'était Mindele ba représenter le Bissot. N'est-ce pas Moutoumouindo, on adore embrasser, sans réfléchir, on a embrassé. Et que c'est quel one est égalité l'élo. Parce que on a été forgé comme ça. Et le pono sur la papa Simon Kimbango, soit nous avons même lingi à saluer aux grâces, ou bien il faut ça les forts moko ya makasi. Donc bah papa tant qu'on va construire l'église oyo, et ça qui les cambassoni bah bundeli ango. Donc na tangwana, tolinga te bango bah comme instrument de mesure, parce que bah tiens mi beko bah tiens ma kamunyo soit singé le pono église tambo. Lobby qui a changé. Ndenge na lobaka kimbongiste makasi aza nango lelo. Le kimbongiste aujourd'hui c'est parler. Ezabo ete hein. Le kimbongiste c'est parler. Na kokozwa deux personnes awa.
parce que tu vis dans ton monde, tu es dans la cave. Tu vis dans le monde. Tu as deux personnes, tu as deux personnes qui sont là. Tu as un sujet moko. Dans le lobby, yo défendre le sujet wana, yo défendre le sujet wana. Na tiki bato bako noloba. Sujet moko et qu'on pèse à deux directions. Mais tout le temps, il y a deux directions wana. Soko zali éveillé te, comment on appelle que, okozala séduit par les deux directions. Parce que le Kimbangu aujourd'hui c'est parler. Donc, les années tu es avocat, hein. Avocat, ce qui mouto a bomi, ou bien mouto a sali le kamoko ya grave. Donc, on a les meilleurs avocats. Même yo moko yebi ke au sali likamamabe, moko luka les meilleurs avocats parce que les meilleurs avocats ils ne sortent pas la vérité. Donc bakolo baté ke mutuaza muyibi bien nini. Il est objectif ne sali hein, ko ke bakanga yo te. Donc pour ça, il est permis de mentir, il est permis de faire ce que il faut pour na bakanga yo te. Les lobbies sont qui mangent, c'est comme une or, nous ne sommes pas là pour défendre quelque chose qui n'est pas vrai. On est là pour défendre la vérité. Papa, tu as bien, très bien. Nous défendons l'esprit de vérité. C'est cette vérité-là. Et la vérité a fini toujours par jaillir. Donc, tu as dit que des années, tu as dit que tu as dit un mensonge, à force de le répéter, devient une vérité. Or, non, c'est faux. La vérité, tôt ou tard, est aussi la caca par triompher. Totali, il y a un bon papa Simon Kimbangu qui a changé. Dans un bon oli macambo.